Go. Donc, c'est parti. Et quoi comme jeu? J'ai beaucoup joué à Scrap Mécanique, je joue à Crossout et je joue particulièrement aux jeux de construction et de gestion sur ma chaîne. Les liens sont dans la description, tu cliques sur la bannière Gaming Skill et tu iras sur ma chaîne. Tu es le bienvenu, évidemment. Je vous explique à tous, YouTube, bienvenue. Salut Twitch, il est tôt, on est là. On s'est quitté devant le collier de la maman de Jackie, notre collègue décédé, qui nous disait qu'il fallait qu'on récupère son colis. Bon, ben ça y est, le colis est récupéré, le jeu était buggé en fait, il y a pas mal de quêtes qui bug. Là, je suis allé voir un peu les combats de rue qu'on pouvait faire. Donc là, je suis face à un mec qui veut bien combattre. Je lui ai parlé de son fusil. Voilà, c'est ici, là, je peux lui parler de son fusil, on l'a pas fait encore, mais on attendra. En fait, on va pouvoir parier le fusil, mais il me faut plus d'argent pour le parier. Donc là, il faut que j'aille faire des petites missions annexes pour gagner de la thune, au moins monter à 20 000. Voilà, donc on s'est barré de chez la mère de Jackie avec la clé de sa moto. Donc je pense que la première chose qu'on va faire, les gars, ça va être aller récupérer MyMy P126, un véhicule. Salut V, j'ai une Makigai MyMy à vendre. Son nom fait penser à un cocktail de fruits. Elle est un peu petite, mais tu pourras te caler parfaitement dedans avec tes armes et tes courses. Que faut-il de plus? Eh ben, on va rien du tout. On va aller la chercher tout de suite. On va commencer par ça. Et aujourd'hui, on va faire... Trappe en survie, c'est trop bien. Et ben voilà. Donc, t'aimeras certainement ce que je fais parce que j'ai fait une belle aventure survie. Je commence une saison 2. On va aller commencer, les amis, par chercher... cette moto. What? What? Eh ben, ça commence bien. Tu Keblo. Non mais sérieux quoi, c'est ça? C'est ça un jeu triple A? Non mais c'est une blague. On est d'accord que c'est une blague. Eh bah putain. Heureusement qu'on a chargé la partie juste avant, je vous le dis. Non non, alors pas de pompe. Est-ce que... Faites pas de... J'ai changé d'endroit, je suis plus au même endroit. Du coup les pompes, on voit plus le canapé derrière pour les faire et tout ça, faut que je les enlève. Maintenant ça va être des squats. Peut-être maintenant ça va être des squats les gars. On va faire des squats ensemble vu que je vais bosser debout plus souvent. Mais donc il faut que je change pompe. Donc non, fais pas les pompes. Ok, allez, on est reparti. Ah, mais on est resté coincé là-dessous, c'est quand même hallucinant pour un jeu qui veut se vendre 70 balles et qu'ils ont retiré déjà des consoles quoi. Comment le jeu il peut être autant bugué? Et là, on n'est pas capable de monter. Sérieusement quoi. Ça y est, je vais m'énerver. Vu qu'on va bosser ensemble. Yes, un nouveau contact. Je me suis dit que j'allais t'appeler. On m'appelle El Capitan. Et toi, c'est V. Merci, je connais mon nom. Présenté. Tu l'as déjà fait pour moi. Quand on me confie un boulot, je m'en occupe à fond. C'est vrai qu'on a cette bagnole maintenant. Je respire boulot. Souviens-t'en. Ok, mec. Aux ordres, mon capitaine. Pendant que je te tiens, si t'as besoin de changer de caisse ou de bécane, j'ai tout ce qu'il faut. Et pour pas cher. Ok, donc, mec. Ok, mais on n'avait pas... mis cette mission sur brillance. Mais non, puisqu'on est mort. Okay. T'as paniqué, hein. Allez, Cassos. El Capitan. C'est bon, on connaît El Capitan maintenant. Par contre, je sais toujours pas c'est quoi la touche pour le klaxon. Salut Korenz. Yes, il est bon le son. Vous entendez assez ma voix quand je parle? Normalement, ça doit baisser le son du jeu vu que je gueule à moitié en plus. Qui m'appelle? Ah salut mec. Choum, t'es sûr que t'as fait le bon numéro? La dernière fois qu'on s'est vu, je crois bien que je t'ai mis mon poing sur la gueule. Ah, écoute, oublions le passé. Le plus important, c'est que j'ai du boulot pour toi. Ce sera de l'argent facile. Rejoins-moi où est le coyoté. Je t'expliquerai tout. Je fais la première tournée, ça va? Et où exactement? Comme on a dit, où est le coyoté? Assis à une table.
Ok, alors maintenant tu prends ta tête et tu la cognes sur la table. Bien fort, ça te guérira peut-être de ta connerie. Écoute, je sais que tu m'en veux. Hey, mon pote est mort à cause de toi, enfoiré. C'est toi qui va l'écouter. On joue plus dans la même cour. Me rappelle plus, tu fais perdre mon temps. Allez, dégage. Ok, c'est clair. Allez, ciao. Ouah, comment on l'a envoyé chier comme des rebelles. Se passe ici. Donc des fois j'ai le radar qui bug aussi parce que là je viens d'essayer voir s'il restait pas déclenché et des fois il reste déclenché et je peux plus l'enlever. On va pinguer tout ça. Et ils sont 4, ça devrait être facile. Moi, je vais pas dans le tir de ce monsieur. Pitié. Putain, il se prend des... Vous paiera. Oh là là, il se fait fracasser la gueule. Putain, ils ont l'air costauds. Oh putain. Oh, ils sont chauds. Putain, il fait un massacre. Pensez à vous mettre à couvert. Ouais, pensez-y, ouais. Faut pas crever. C'est un petit détail qui est quand même pratique. Pour le syndicat. Attendez, mais c'est du renfort. Mais qu'est-ce qu'ils font là, eux? Ah, ils se battent les uns contre les autres. Chevillon. Empereur. Ils sont tous morts? Jette ton arme et montre-toi. Ouvrez le feu! Espèce de pommard! Putain, mais. Oh putain, mais ils sont arrivés des deux côtés! Je suis encerclé! Merde, j'ai jeté. Non, mais arrête de jeter des grenades, abruti! Oh là 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 là, c'est pas possible! Pas le katana, pas maintenant. Je touche pas, nickel. Allez, au fond. Ok, vous avez compris que mon gun était puissant, les gars. Faut pas déconner avec moi. On prendra le loot après. Mon bouton déconne, c'est ça qui est chiant. Cible touchée. Continuez comme ça. Salut Zambo. Jojo, comment ça va mon Jojo? Des bisous. De suite, il vient avec des grosses refs. Putain, je viens de me faire défoncer. Oh, attendez, je vais recharger la sauvegarde parce que bon, on n'est pas à ça près et j'ai pas compris c'est quoi ce gang qui est arrivé en plein au moment où j'étais en train de me fighter contre des rebelles. Attendez, j'allais accepter, mais Zambo a fait le taf avant moi, merci Zambo. Les verruriers noirs. Bon, attendez, je repars. On est reparti pour un petit tour en bagnole. D'ailleurs, je sais toujours pas c'est quoi le klaxon, ça me saoule.
Pourquoi je peux pas changer la musique là? Alors que dans toutes les autres caisses je pouvais. K comme klaxon, essayons. Ah non, K ça me rentre dans le menu de fabrication. C'est K comme fabrication. T'es envoyé chier, mec. Choum, t'es sûr que t'as fait le bon numéro? La dernière fois qu'on s'est vu, je crois bien que je t'ai mis mon poing sur la gueule. Ah, écoute, oublions le passé. Dégage-toi, là, avec ta... ta crotte. C'est que j'ai du boulot pour toi. Ce sera de l'argent facile. Rejoins moi ou El Coyote, je t'expliquerai tout. Je fais la première tournée, ça va? Et où, exactement? Alors, écoute bien. El Coyote, assis à une table. Ok, alors. Désolé pour la conduite. Ta tête et tu la cognes sur la table. Bien fort. Bien fort. Merde, dégage! C'est sur ma route. Écoute, mais je sais que tu m'en veux, mais. Non, c'est toi qui vas m'écouter. On joue plus dans la même cour. Me rappelle plus. Tu me fais perdre mon temps. Ouais, j'aimerais bien voir la tête de Lolo avec ses membres cybernétiques en 2077, allez, quoi. Ciao. Bon, allez, je me le refais et je vais essayer de pas me faire éclater. Et sachant que je viens de comprendre quand même que mon fusil était beaucoup plus puissant au corps à corps. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir notre Daniel. Faire une petite sauvegarde gentille. Et on va aller se fighter encore contre les abrutis. Il n'était que 4 au début, donc je vais vite les éliminer. Calme-toi, Pouma. Voilà. On va pinguer tout ça. Et je pense qu'on va défoncer tout le monde. À coup de katana! Je veux pas que ça prenne trop de temps. Ah putain, y'a. Oh, secours! Saute! Mais il reste coincé cet abruti! Et cours! Putain, mais ce jeu, mais. Mais la maniabilité est tellement à chier, je vous jure! Non, mais c'est un truc de malade, les inputs là qu'il y a, c'est un truc de dingue quoi. Putain, je cours, je sprint, il reste bloqué sur un carton qu'il y a par terre. Et après, je laisse appuyer sur Shift et le mec il marche quoi. Ah, enculé quoi. Non, mais je vous jure que. Alors, c'est chiant, mais putain, est-ce qu'on peut changer cette option? En fait, pour Dash. Ah, regardez, là je cours, j'appuie un coup sur Shift, il dash. Ok? Donc maintenant là je marche, je laisse appuyer sur Shift. Il dash aussi, mais des fois ça marche pas. Parce qu'il faut juste appuyer qu'un seul coup. Parce que là si je m'arrête. Voilà, voilà, ça y est, regardez. J'ai compris. Je laisse appuyer sur Shift. Je cours. J'arrête de courir, je laisse toujours en laissant appuyer sur Shift. Je recours, il court plus. Il court plus ce con. T'appuies sur Shift. Tu cours, ça marche. T'arrêtes, tu recours, il marche. Voilà. Ouais, je crois que j'ai buté la victime, ouais. Donc ça, c'est vraiment trop chiant. Et là, t'arrêtes d'appuyer, il court encore. Putain, mais ce menu, on peut pas le changer, c'est vraiment de la merde, ça. C'est vraiment un truc d'assister, quoi. Oh, là, c'est insupportable. Ça me gave. Je vais m'y faire, mais c'est vraiment chiant, quoi. Je comprends pas. Moi, je vais pas dans le tir de ce mec. Ah, ouh, ils m'ont saoulé. Ah, ok, Doom. Mais voilà, forcément, le jeu commence déjà à être modé. J'ai vu qu'Alpha Cast, il avait utilisé des mods aussi pour la conduite. À toutes en beau. Et là, normalement, si j'arrive en dashant, je peux... J'ai un ralenti, voilà. Mais merde, c'est la victime, putain. Attendez, 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 attendez. Mais non, mais là, regardez, il y a eux qui arrivent. Putain, mais qu'est-ce qui se passe?
Non mais c'est quoi cette embûche? Attendez, c'est qui ces mecs là? Gang de la 6ème rue. Et eux? Donnez garde. Affiliation Arasaka. C'est des gardes d'Arasaka. Et ça? Gang de la 6ème rue. C'est une vieille embuscade ce plan cul là. Ah mais j'ai plein de grenades, c'est vrai. C'est vrai que je pourrais commencer à la grenade. Et ouais, moi aussi là, à 11h, c'est pour ça que j'ai commencé plus tôt, je m'en vais acheter des cadeaux aussi. Et on en est tous réduits au même combat. Quand tu veux pour péter. Oh là 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 là, ça tourne mal cette histoire. Ça me fera plus chier déjà. Mais alors qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, y a un runner quoi. Et là y a eux qui arrivent. Et là ils m'ont vu. Et là ils vont buter les gars qui sont au milieu. Oh quelle embuscade. Et eux ils sont 6. Ils sont 6 et ils sont costauds eux. Alors voyons, on va laisser se battre gentiment. Ah oui d'accord. Toi tu me tires dessus toi. Je l'ai intégré dans le camion. Attention. Il avait pas reload ce trou de balle. Touche pas au Arasaka, pourquoi? Mais les Arasaka ils veulent me bousiller la gueule. Non mais Arasaka de toute façon ils veulent me buter hein. Moi je laisse personne en vie quoi si j'y arrive. Bon déjà ça démarre mal, ça me stresse, ça m'énerve. Alors ça c'est la caméra, on s'en fout. J'ai quand même envie d'aller tous les défoncer hein. Alors c'est faudrait que je me barre. Faudrait que je me barre dans ce cas là. C'est un joli petit cul tu sais. Vous attendez que je vous supplie? Allez, viens! T'attends!
Et là, il court plus quand je saute, c'est horrible, faut appuyer sur le bouton. Alors, ramasse du stuff. C'est peut-être pas le moment, je reconnais. C'est pas le moment. Et la civile est là. On va se resynchroniser. Arrangez-le. Non. On subit de lourdes pertes. Et ben voilà! Personne m'emmerde, ok? Et moi, quand j'ai décidé de faire quelque chose, je le fais. Voilà. Belle maison où habiter. Là, ces bagnoles, on peut les prendre. Une petite bagnole d'Arasaka. On va la planter dans le mur. Home. Voiture de merde. Dangong de merde. Ok, on continue notre route, on va aller chercher notre petite moto. Tout va bien. Putain, ça m'énerve ce bouton-là de courir, c'est vraiment la merde. Allez, let's go. C'est une BX du futur, ouais. J'ai vu le mode d'Alpha Casse pour la conduite, ça a l'air pas mal. Apparemment, il dit que c'est plus smooth, qu'on peut plus faire des dérapages. Que là, c'est clair que c'est un savon le truc et qu'après, elle reste sur place. Je vais voir si j'installe pas des mods. Non, mais c'est ça le véhicule ? Et la super moto, ça devait être une super moto. Mais c'est ça. C'est cette merde. En plus, j'ai même pas 14 000. Non, mais ils veulent pas me faire acheter ça quand même. Mais en plus, elle est hors de prix. Je suis dégoûté. Je crois que c'était une méga moto et qu'elle me l'avait donnée. Attendez, mais ma moto. Il y a ma moto. On dirait que quelqu'un a soudé la benne ordure sur une vieille baignoire. On se ferait dans une carrosserie à carton pâte, scotcher les roues dessus. Je sais bien que tout le monde n'a pas les moyens de se payer une Iron Dite. Alors si t'as besoin d'une caisse pas chère rapidement, elle est à toi. Et merde, elle est où la moto de Jackie? Bon, et ben on va faire autre chose. Tant pis, je pensais que j'allais avoir une super moto. Alors, on a 1000 missions annexes à faire. On a un contrat. La course du guépard. Type de contrat, SOS. Et recherche, merce. Cible, Wangbo. Sunset Motel à Martin Street. T'as déjà vu un film où un abruti se met dans une merde pas possible et un seul mercenaire misanthrope qui flingue de partout peut le sauver? Et ben, c'est le scénario du jour. Oh merde. L'abruti en question s'appelle Wangbo. Il a fait quelques petits boulots pour les Tiger Claw.
Mais au lieu de se tenir à carreau et d'être patient, il a passé la seconde et a volé son propre gang. Du génie, pas vrai? C'est pas tout, il a signé sa connerie. Oh le con. Anguo a une cible sur le dos, alors il doit disparaître. Le plus vite sera le mieux. J'ai déjà trouvé un passeur nomade, mais il faut que quelqu'un l'aide à traverser la ville. Si on le repère dans les rues, les Tiger Claw en seront informés. C'est ce que t'as à faire, n'est-ce pas? Alors vas-y, il se planque quelque part à Sunset Motel. Bon, on va aller l'escorter, cet abruti. Allez, on va trouver Wangbo. C'est clair, c'est la smart du futur. Mais alors, c'est quoi la quête pour avoir ce que j'ai... La maman de Jackie m'a donné une clé de moto pour aller récupérer sa moto. Non, on pouvait pas lui parler, si, peut-être. Ici, on pouvait peut-être lui parler, mais je sais pas s'il y avait vraiment une vraie interaction. J'aurais dû essayer. Attendez, là, je vais peut-être refaire mon stuff. Arme. Arme. Alors. Voyons ça. Ah oui, bah oui, je vous ai pas montré ça. T'as l'impression que ça flop? Non, l'histoire est vraiment cool, mais faut les gens s'attendent au Messie alors que c'est un jeu RPG comme un autre. Mais bon, maintenant les jeux, tu sais, il y a plus de budget dans la com que dans le jeu, donc c'est pour ça que le jeu a l'air vraiment incroyable. Ah oui, voilà. Alors voilà. Voilà. Nous en sommes là. Matériel cyber. Ici, j'ai des optiques Kirisho MK1. Hiroshi. Donc ça me permet de voir mes balles et tout ça et de... vous permet de visualiser précisément les rayons d'explosion de vos grenades, améliore votre vision. Et là maintenant j'ai rajouté un petit module qui me permet de voir la trajectoire de mes grenades. C'est pour ça que je vois où est-ce que je jette les grenades maintenant. C'est grâce au module d'optique que j'ai installé dans mes yeux cyberbioniques. Ensuite j'ai installé décharge stupéfiante dans le système immunitaire. Après avoir subi des dégâts, 2% de chance de libérer un puissant choc électrique infligeant des dégâts aux ennemis à proximité. Voilà, dans le système immunitaire. Système nerveux, alors là attention. J'ai un Kerenzikov, une espèce de colonne vertébrale. Pas du tout, c'est pour brancher sur les nerfs. Mais on dirait que ça va. Bon, bref, on s'en branle. Vous permet de viser et de tirer en esquivant. Ralentit le temps de 50% pendant une seconde 5 quand vous bloquez, visez ou attaquez tout en glissant ou en esquivant. Donc faut bien que j'esquive plus souvent. C'est pour ça que je l'ai pris pour le sabre. Ça peut ralentir le temps pendant qu'on esquive et ça nous permet de viser pendant qu'on esquive avec les flingues. Et là, on a ça, un accélérateur synaptique. Ralentit le temps de 25% pendant 2 secondes lorsque les ennemis vous détectent. Temps de rechargement 50 secondes. Ensuite, sur mon système tégumentaire, module non disponible. Eh bien, j'ai une armure sous-cutanée. Augmente l'armure de 20. Plusieurs décennies de succès sur le marché des armures. Voilà, j'ai du titane intégré dans le corps. Mon système d'exploitation, c'est toujours le premier. Donc à l'intérieur, j'ai ping pour voir à tous les ennemis. Et j'ai surmenage synaptique qui est mortel mais qui prend pas mal d'énergie. Je pourrais faire plutôt des courts-circuits. Redémarrage d'optique, réinitialise le matériel cybernétique d'optique d'un ennemi, ce qui l'aveugle temporairement. Ça peut être bien ça aussi. Hein. Ça c'est pour brûler la cible. Donc ensuite j'ai un os en titane. Voilà, à vous de savoir lequel. Augmente la recharge limite de 20%. Et j'ai un coprocesseur balistique qui me permet de voir les balles, augmente les chances de ricocher des armes cinétiques. Connecte directement l'implant optique en utilisant un système de larmes permettant le suivi des données en temps réel. Pour voir nos balles et tout ça, voilà. Donc on l'avait pas vu. Qu'est-ce que je faisais déjà? On était là, je voulais voir mon stuff. On a dans notre petit sac. Ouh, ma machette, lame longue, et serait plus costaud que mon katana. Superbe katana. Attendez. Dans le katana, j'avais pas de module. Et dans la machette, il n'y a pas de module. Mais on va prendre la machette quand même. Alors ce gun, je l'aime pas tant, pour les techniques. J'aime pas charger les balles. J'aime pas. Par contre, c'est un rare et il est à 126 de DPS. Un module de pulvérisation. Augmente les dégâts de 5 aux membres. Action impossible. Ah, j'adore ça. Action impossible. Voilà, ça y est, ça commence à déconner dans tous les sens. C'est parti. Alors, à moins que je puisse pas l'enlever, mais pourquoi? J'adore ça. Quand ça marche pas, là, c'est vraiment génial. Et que tu sais pas si c'est le jeu qui est mal codé, ou si c'est ton cul
fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe? On n'en sait rien, quoi. Alors, tout ce que tu sais, c'est que tu vas enlever un truc et ça marche pas. Voilà. Vraiment changer de module. Le module actuellement équipé sera détruit. D'accord, je comprends mieux. On peut pas enlever le module. Non, mais c'est dégueulasse. Pourquoi je peux pas enlever le module? Compliqué hein, parce que là faut que je retrouve mon flingue, donc faut que je le rééquipe, faut que je l'ai rééquipé, j'aille dans mon inventaire là ici et là faut que je fasse ça pour l'enlever et ça évidemment je peux pas l'enlever. Donc maintenant que j'ai fait ça, je reviens là, on prend le gun qui est le plus puissant, 131. Là maintenant je peux faire ça et là je peux faire, et non j'ai pas pris le même. Voilà. Alors, comment s'y reconnaître maintenant? Voilà. Où est mon flingue? Très simple. Très simple, Juanito. C'est très simple. Tu vas là. Tire cette merde. Prends ce flingue. Pas celui-là. Parce que j'ai mis le silencieux. Donc, du coup, il était moins puissant. Là, je mets ça. Du coup, ils sont tous plus puissants maintenant. Parce que là, je tombe à 111. Et si je fais ça, je suis à 131. Alors que lui est à 126. Mais du coup, avec mon silencieux. Mais ouais, mais moi, il faut que j'attaque au silencieux. Donc c'est pas grave, on va jouer ça. Et du coup. C'est pas mal ça, non? C'est nul. Après, t'as la 113. Et celui-là, il a combien? Fusil à pompe cinétique. Il a 207 de DPS. Ok, alors est-ce que je démonte? Ouais, mais ça c'est du peu courant, c'est du courant, donc ça sert à rien que je démonte tout ça. La veste chic, double tissage 38. Voilà, mon mec ne ressemble à rien. Alors ça c'est un truc que je trouve pas particulièrement cool dans le jeu. C'est que, en fait, tu choisis ton armure comme elle vient par rapport à sa protection, mais alors le style, tu le mets dans ta poche quoi. Ah ouais, il a vraiment une sale gueule là, mon perso. C'est un peu dommage. Mais regardez-moi cette gueule d'abruti, quoi. Ça n'a ni queue ni tête, notre style. Pas grave. Donc, ça fait plus de TPS. On a mis nos stats dessus. Donc, est-ce que je démonte mon matériel? Voilà, ça, vous voyez, ça me fait ça en plus, mais j'ai toujours pas de bleu ni de violet, donc je peux toujours rien fabriquer. Donc je vais plutôt vendre tout ça, de toute façon, il nous faut des sous. Il faut des sous, alors vendre la camelote. Et... il était bien celui-là quand même. Et ça, tout ça, je m'en suis jamais servi. Est-ce que quelqu'un sait comment on se sert de ça? Que ça, franchement, je vais le vendre. Parce que, franchement, depuis le début du jeu, je m'en sers pas, quoi. Ah, du chocolat noir. On en a à branler. Merci. Merci, Jojo. À bientôt. Bonne course. Des bisous. Voyons ce que ça fait si je mange ça. Voyons, je l'ai dans mon inventaire. Dans mon inventaire, dans mon sac.
Et dans ça. Et là, par exemple, si je veux ça, applique un statut hydraté qui augmente l'endurance maximale de 10% et la régénération de 50% par seconde. Pendant 450 secondes. Et là, si j'appuie, retirer Narara classique. Utiliser. Applique un statut hydraté. Ouais, voilà. Donc là, je les utilise. On est d'accord. Hein. J'ai de l'eau gazeuse. Je sens bien. J'ai transféré mon argent. Tout va bien. On continue. Let's go! Les boosters boissons, tu démontes. Tu les démontes. Ah ouais, ça peut se démonter ça. Utiliser, fermer, ça se démonte pas ça. Ah ouais, démonter. Vodka. Ah ouais. Je peux démonter ça, mais attendez. Ça donne. Ok, ça m'a donné des composants classiques. Yes. Ok, là j'ai plus rien qui est marqué en bas. Putain, mais on dirait que c'est full buggé, hein, je vous jure. Hein. Pourquoi y a plus, j'ai plus aucun. Je peux juste les prendre alors. Voilà, oui, je peux juste les prendre, mais c'est plus marqué. J'ai plus le truc qui est marqué en bas. Putain, mais hallucinant. Pourquoi ça s'est effacé? Et voilà, et là, non, là c'est remarqué quoi. Putain, mais le jeu il est buggé dans tous les sens. Et là, ça me donne des trucs classiques encore. Ouais, ça me donne des pièces vertes. Ah mais voilà, il y a la rareté aussi là. Ah oui. Oui, ça y est. Cool, merci Doom. J'ai compris, il y a aussi de la rareté sur ces trucs là. Ok, merci pour l'info, cool. Bien pratique. Ah ouais putain, tous ces trucs là faut les démonter alors s'il y a des rares et tout, moi j'ai tout bu et tout vendu comme un gland. Elle est trop belle la ville hein. Elle est vraiment trop classe la ville. Trop beau. Bon je stream en 1080p donc j'ai baissé la qualité. Mais c'est vrai que je pourrais peut-être un peu la remonter. Bon, on va pas trop batailler sur la qualité parce qu'après ça va refaire ramer le jeu. Et là c'est fluide. Donc on va laisser comme ça. Salut Cro. Je suis en rupteur. C'est pas moi. Désolé. Pas le temps, j'ai pas le temps. Je sais plus où on va déjà. Ah oui, on va trouver l'autre guignol qui a trompé son gang. Et qu'il faut qu'on trimballe dans toute la ville maintenant. Le jeu m'a fait tourner la tête tout seul quoi. J'ai même pas pu regarder la croustipute. Doom qui s'est fait ban une minute par le bot. Parce qu'il a mis à lire. Putain, mais ça me fait chier que ça soit toujours comme ça, ça. Ouais, les liens sont interdits dans le stream. Les freins sont où?
Salut Green Matt. C'est vrai que ce virage sur place là, dans le dérapage, c'est vraiment mal branlé quoi. C'est un savon la voiture. Le premier qui touche à ma caisse, il est mort. Compris ? Il est là, les gars. Non, mais il y a des sous, là. Non, mais regardez-moi ce bel homme. Je sais. Alors, on fait que passer ? Faut te voir. Parlez-tu en ménage, hein ? Toi, Wangbo. Crac ! Déjà, je rentre chez toi, je te dépouille. Ça, c'est la première chose. Objet reçu, yes, on a une sape. Et ensuite, on va se connecter ici. Personne t'appelle comme ça. Comment t'es venu ? Ok, je vais conduire. Quoi, merde, 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 qu'est-ce qu'il y a? Alors, E, 9, BD, 55. Tu crois vraiment que je les ai pas vus? Déjà, ils sont là? Je veux pas bouffer du... Désolé, je reviens. Hein, quoi? Putain, pourquoi je comprends rien? Cette bouteille dans le canapé là, je peux pas la prendre. Non. Ferme-la si tu veux pas bouffer du plomb. Maintenant, je peux faire le surmenage synaptique. Oh là, il y a trop de monde. Il est où l'autre? Il s'est caché là? Ouais, reste là. Surtout, ne bouge pas, mon gars. Ce gun. Ne bouge pas, Jean-Michel, ne bouge pas. C'est pas le moment. La one shot quoi.
Et lui, il marche tranquille, genre tout va bien. Non mais mec, je viens de te sauver la vie, tu vas m'imposer le respect un peu là dans ta démarche. Je vais t'imposer le respect. Non, tu vas t'imposer le respect toi-même dans ta démarche. Prendre ce taudis, on va prendre une jolie voiture des gangs, des cyber gangs là. Ouais. Bon, si j'avais pas été là, tu serais plus qu'une tache sur la moquette de la chambre. Par où on sort? Changer de caméra. Par là. Ouh, ça me plaît bien ça avec les petits néons. Attendez, parce que j'avais vu un autre truc. Hey, non, plus rien de ça. Non. Ouais, voilà, c'est bien ce que je me disais. Oh merde, y'a qu'une place, je peux pas l'emmener. Ah ouais. Dommage, parce qu'elle était pas mal la moto. Trouve-toi un nom, ça marchait pour moi qui me dit. Il est où Doom? Ah. La modif du fichier config à faire absolument pour gagner des FPS, tu as un tuto sur jeuxvideo.com, c'est ça que t'as voulu m'envoyer et le bot t'a viré certainement. Eh ben je regarderai ça de plus près. Modif fichier config jeuxvideo.com. Après ça sur Google. Ok, let's go. C'est bon, on est arrivé. Descends. Yeah, tchakaman. Ah, 근데 저 새끼를 믿어도 돼? 너 가면 내 콩팥 떼가고 그러는 건 아니지? C'est pas mon problème. C'est clair, j'en ai rien à branler. Yeah, 그럼, 좋아. 그럼 이건 어때? 날 다시 도시로 데려다 주면. Descends. Ou c'est moi qui vais te piquer tes reins. 알았어, 알았다고. 아, 내리면 되잖아. 그리고 호텔에서 도와줘서. Bienvenue dans la réalité. Impeccable V. Wangbo dit qu'on devrait t'appeler le lion déchaîné. C'est qu'il doit être content. Le lion déchaîné. Je les crédits. Yes, c'était le credos. Y'a rien à fouiller dans ce couara. Et où vous en répute. Cool. Allez, on continue à faire l'émission annexe tant qu'on peut là ce matin. Alors, on en est où? Le contrat s'est réglé. Les véhicules en s'embranle ici. Le contrat. Récupérez votre récompense gratuite dans l'inventaire de la clinique de Charcudoc Cassius Rider. Ça, impossible, c'était bugué. J'ai tout acheté chez lui, j'ai toujours pas trouvé ce que c'était. Ensuite, rubis sur langue. Je connais pas beaucoup de charcu qui s'en. Akiroshi en criant se fuit en ta bonne foi. J'en connais un qui en fait victoire quand tu seras au sommet, ne l'oublie pas, ok? Ah oui, je dois de la thune, je dois 21 000, mais là on a vraiment pas de thune. Et là c'est que du très élevé. Ah! Tente que la caisse soit réparée. On finit par disparaître à son tour. Enfin bref, c'est pour ça que tu es. Ah, il est derrière, si tu prouves à tout le monde que t'as envie, c'est pas. Je peux aller récupérer ma caisse maintenant. On va aller faire ça d'abord. Se rendre au QG de Delamain. Ah ouais. Les accrochages, c'est pas ce qui manque à Night City. Un accrochage avec une Delamain en revanche. Ah oui, je me suis fait rentrer dedans. Ouais, on va aller voir ça. Je me suis fait défoncer par une voiture Delamain qui sont des taxis électroniques. Et elle m'a traité de fils de pute, je crois.
coup de temps me défonçant la gueule. Donc on va aller voir au QG de la Maine qui sont normalement pacifistes. Qu'est-ce qui s'est passé? On va aller régler cette histoire. D'abord je vais vendre un petit peu de stuff. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi on me dit pas qui c'est ces gens-là? Pourquoi j'ai que... pareil, je comprends pas. Pourquoi j'ai pas Valérie Zoa Lovia? Si, il y a un nom. Valeria. Ok. Fanatique. Où sont ces gens? Que font-ils ici? Transparence, la glace ennemie, ce qui rend tous les ennemis et appareils à proximité et connectés au réseau plus vulnérables au piratage rapide. Vulnérabilité de masse. Attention, ça va piquer, madame. Ah oui, voilà, tu fils de... Ouais, c'était ça. Ouais, désolé pour les messages, mais le bot laisse pas passer. Alors, c'était à 10h09, il est 10h13, c'était il y a 5 minutes. Et le point de contrôle, on va charger au point de contrôle. Putain, je me suis fait défoncer. Non, mais je veux pas mourir, moi, je veux charger ma partie, en fait. Voilà, vu qu'on en est au même endroit. Bon, je vais pas m'arrêter cette fois-ci. Hein. On va tout de suite se calmer. Et on va surtout pas y aller au sable comme des gros bourrins face à 5 mecs et un gros robot tout au fond là qui me tirait dessus. C'est pas la bonne méthode. Allez, on va au QG de la main. Oh yeah. C'est parti. C'est fou qu'il y ait déjà des mods de la communauté qui corrigent la maniabilité du véhicule, quoi. C'est quand même dingue. Hein. Ça me fait halluciner ce genre de truc. On a un point d'interrogation là-bas. Le jeu est tellement beau, il y a tellement de détails si on mettait ça en haute qualité. Vivement que je puisse augmenter le... les FPS du jeu si jamais il y a vraiment un truc à changer dans le fichier. Affiliation des osseurs. Qu'est-ce qu'ils font là tous ces gens?
Не нравится мне. Composants d'objets peu communs, ok. Je me sers pas assez des esquives, à chaque fois je les oublie ces esquives. Moi je prends son slip là, mini short triple couche en micro maille. Où tu vas ? Café là. Ah. Et ça c'est comme dans la vraie vie. Y'a pas de voiture, tu montes dans ta caisse, tu veux sortir, y'a plein de voitures qui passent. Ça c'est bien fait. Le clignotant, bordel! Comme dans la vraie vie, ça, c'est bien fait. Ça, c'est pas comme dans la vraie vie. C'est pas bien fait, les virages. Soixante-dix en ville, entre les voitures, attention, ça va piquer. Wouh. QG de Delamain. Qu'est-ce qu'il veut, Sébastien? Déjà? Ah, le padré. T'es vraiment super bien renseigné. Toujours. En tout cas, si t'as besoin de quoi que ce soit, tu sais où me trouver. Les Valentinos. Ils ont tous recherché ces gangsters. Hein. On va très bien les fracasser là, mais bon, c'est pas le moment.